Good morgen, allez, Idan et Chusra, aujourd'hui, les Lunishma, David Ben Fortuna, Mazel Fritna, Dvorah Bat Esther, et Allegria Bat Sol Ben Soussan, le Bet Vanish. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah Kofet, 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Nedarim, Perek Bet Mishnah Chet. Nadar Becherem Ve'amar Lo Nadarti Ala Becheremo Shel Yam, Bekorban Ve'amar Lo Nadarti Ala Bekorbanot Shel Menachim. Are Atzmi Korban Ve'amar Lo Nadarti Ala Be'etzem Shenachtili. Liot noderbo, kona mishti nenet li, v'amar lo nadarti ala b'ishti arishona shegirashti. Al kulan, en nish alin lahen, v'im nish alu, onshin otan, o macharemin alehen, divre Rabbi Meir, v'chem yomrim, potchin lahem petach mimakom acher, malamtim otam, kidei shelo inhagu kalut rosh, banedarim. Une mishnah qui a un rapport avec la mishnah précédente, où on avait découvert des nedarim qu'on prononce, qu'apparemment tu t'interdis une chose, et puis après tu nous dis qu'en réalité tu n'avais pas d'intention d'interdire, tu pensais à autre chose. Et que tu peux donner une interprétation à ta phrase, et dans ce cas-là, fuir le neder. C'est-à-dire, tu dis une phrase que je vais m'interdire une chose, apparemment on dit, bah, tu interdis cette chose-là, elle est interdite. Et après tu dis, non, tu avais l'intention, quand tu disais, je m'interdis une chose, tu parlais et tu faisais allusion à une autre chose. Il y a des règles assez complexes, parce qu'il y a des fois où le neder n'a pas du tout marché parce que ta phrase elle était trop floue, d'autres fois où la phrase elle signifie à 80% une chose, donc on va supposer que c'est interdit, sauf que tu peux déraciner, et c'est ce qui se passe dans notre Mishnah. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on va voir les exemples de la Mishnah, ils sont déjà assez concrets. Nadar becherem ve'amar, il a prononcé le cherem, je vous l'ai dit, c'est un anathème, en parachat de Bechukotai, à la fin, il va voir les charamot. C'est quelqu'un qui prend son sadé qui va dire je l'interdis. Alors, il y a plusieurs. Soit on fait un cherem qu'on va donner au Kohanim, soit on fait un cherem qui va devenir complètement interdite. Et en réalité, ça va devenir la propriété du Beth Amigdash. Et donc, il a dit il a fait un cherem. Je le rends cherem, ce stylo. Mais Amar, et après, on lui dit mais quoi alors, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Il dit mais je rigolais. Il ne va pas dire je rigolais. Il n'a pas dit je rigolais. S'il l'a dit, il l'a dit. Il va interpréter en disant que non, l'on a d'artir la bechermo shel yam. Mon intention n'était pas de dire que c'était un anathème, c'était plutôt de. Je faisais allusion au cheremo shel yam, au cherem de la mer. Alors, je ne sais pas c'est quoi un anathème de la mer. Est-ce que ça signifie que quand la mer elle prend des objets, qu'elle les envoie loin, et que les gens disent ouais, c'est haram, c'est cherem. Aïe, ça a été perdu. Donc en fait, il a dit attention, c'est pas qu'il a fait un éder que cette chose-là, cet objet va devenir un cherem. Il a dit. Cette chose-là, je vais la considérer. Parce que, je rappelle, pour le neder, il faut que tu fasses allusion à quelque chose qui est kadosh. Mais si tu me dis quelque chose, je ne veux pas tirer profit comme je ne tire pas profit des poissons rouges au milieu de l'océan. Je ne sais pas s'il y en a, mais ce n'est pas grave. Et bien, dans ce cas-là, je n'ai pas rendu interdit parce que les poissons au milieu de l'océan, ils sont pas interdits à la consommation. Tu ne peux pas en tirer profit parce qu'ils ne sont pas à ta portée, mais ils ne sont pas interdits. Donc si tu dis ce stylo, je le rends comme les choses qui sont loin, au fond de l'océan, j'ai rien interdit. J'ai pas prononcé d'interdit. Et c'est ce qu'il nous fait, lui. En fait, il nous dit, en fait, mon intention, c'était de parler du chermo shel yam. D'accord? Apparemment, c'est comme ça que j'ai compris. C'est un peu bizarre, c'est pas clair, assez clair. La Shon Mitsuda, il rapporte... Je sais pas exactement, c'est comme ça que j'ai interprété, mais je sais pas si c'est juste. C'est des notions qu'on ne véhicule pas tellement, quoi. Et Bekorban, ensuite, il a prononcé que ce stylo va être comme un korban. Waouh, super neder. Mais après, il se justifie, il dit, mais non, la Marlon Adartier, la Bekorbanot, chez le Menachim. Korban, c'est une offrande. Le roi, on lui fait des offrandes, des fois, on lui apporte des choses. Et bien, mon intention était de dire, c'est comme une offrande des rois. Donc, en fait, c'est pas une offrande du Beth Amikdash, donc c'est pas kadosh. Idem aussi, c'est la diarrhée Atzmi Korban. Je suis moi-même un Korban, considéré comme un Korban. Pour toi, tu tires plus profit de moi, en fait. Bon, apparemment. Mais en fait, il nous justifie, mais non, on va Marlon Adarti à la bête, Semchinarte, Liliot Noderbo. En fait, non, je t'explique. Le mot moi-même, qu'on a traduit moi-même, en fait, en hébreu, ça dit Atzmi. Mais Atzmi, c'est aussi une consonance de mon os. Parce qu'en réalité, j'ai gardé un petit os dans une boîte dans la cuisine. Pour me, comme ça, il y en a qui précisent que c'est pour me moquer des gens et leur faire peur en leur disant que je leur interdis des choses, mais en fait, chaque fois, j'ai l'intention de leur dire que comme l'os que j'ai gardé dans la boîte de la cuisine, tu n'en profites pas parce qu'il n'est pas à ta portée de main, et bien la même chose, tu ne profiteras pas de moi
mais j'ai pas appliqué le neder en le comparant à quelque chose de kadosh. Idem aussi, s'il a dit Kona Mishtin et Netli, j'interdis à ma femme de profiter de moi. Donc, et après, il voit que je vais sortir avec ma femme, on va partir manger au restaurant. Et alors, on va dire, mais t'as pensé qu'elle ne va pas profiter de toi. Et après, il lui dit, mais non, Ve'amarlon adarti ala bishti arishona shegerashti. Ma femme, tu sais, c'est qui ma femme? Mon ex-femme, ma première femme. Al-kulan en nish alin alehem. Pour tous les cas de figure qu'on a évoqués, qui sont Neder Becherem, l'histoire du Korban, Atzmi Korban, ou Kona Mishtin en Netli, on avait quatre cas. Dans tous ces cas de figure, s'il se justifie, eh ben, il n'a plus besoin de demander à ce qu'on lui permette son Neder, parce qu'il n'y a pas eu de Neder en fait. El Nishalim Alem, et Nishal en Neder, ça signifie partir demander qu'on lui trouve une permission, comme on va bientôt étudier dans les Chot Nederim, comment est-ce qu'on fait pour déraciner le Neder. Et donc la Mishnah, elle me dit, ces Nederim-là, tu t'es déjà justifié, tu n'as pas besoin de partir demander au Chacham qu'il va te permettre le Neder. Mais malgré tout, regardez la halakha, Ve'im Nishalou, et si malgré tout, il a demandé quand même qu'on lui permette le Neder, c'est-à-dire qu'en fait, alors, d'abord, Chadu. On chine otan, on va le punir, on va le donner, on va le frapper sûrement. Au macharimin alen, on va aussi lui faire un charim s'il transgresse son éder. Soit, j'explique. Il y a eu en fait, on parle d'un amaharetz, quelqu'un qui n'est pas tamir chacham, et bien évidemment, on veut le tenir bien à l'écart des nedarim parce que c'est très dangereux, et on a envie que les gens ils ne se mettent pas à prononcer des je te jure et je fais le vœu constamment quand ils parlent. Selon ce principe, il y a maintenant un maharetz qui vient qui interdit à sa femme de profiter de lui. En fait, il dit, mais non, je parle de ma femme. Je voulais faire peur à ma femme, mais au moment où je parlais de ma première femme, mon ex. Elle, je lui fais un éder qu'elle ne profite plus de moi, je ne lui dois plus rien. D'accord? Mais malgré tout, il dit, mais bon, après il va quand même voir le chacham et lui dit, bon, mais quand même, Rav, trouve-moi un éder pour mon éder, parce que ça fait tâche. Je sais pas pourquoi il croit qu'il a peut-être quand même interdit sa femme, alors qu'on n'a pas de doute sur son intention. Elle avait la vraie intention pour son ex-femme. Mais malgré tout, il demande quand même une permission. Et dans ce cas-là, Rameir, il va nous dire, tu sais quoi? S'il demande une permission, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un interdit, on ne veut pas que le Hamaretz, il commence à jouer avec les Nidarim. On va dire, non, on ne veut pas. On te la permet, et tu restes comme ça maintenant. Ta femme, elle pourra profiter de toi, ta femme présente. On va Haremin, Aléen, et aussi, on va même s'il la va... Si même s'il va, il va transgresser ensuite son éder, eh ben on va le frapper aussi. Midarabanan. Ça veut dire bien meilleur, tandis que Khramim va Khramim, ils disent non, c'est pas la peine d'être tellement strict, ça va, on va lui dire quoi. On poterine la même pétard, mais moi comme frère. D'abord, s'il m'a demandé ce qu'on a fait le néder, même si en réalité le néder il n'a même pas été appliqué, malgré tout, on va faire semblant qu'on va chercher une permission, on va lui permettre son néder, et cependant, au malami, madame Shalom, il a goûté l'autoroche ben Nerim. On se va l'apprendre, on va dire que c'est très grave de faire des Nerim. Il ne faut pas s'amuser facilement à prononcer des Nerim, mais on n'a pas lieu de le punir au point parce qu'il a cru qu'il y avait un Nerim. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.